invités à tous. Avant vraiment d'entamer cette conférence de presse par l'hymne national comme on le fait d'habitude, je voudrais vraiment au nom de tous les camarades présenter nos plates excuses, mais vraiment à la presse pour cette longue attente qui est due à une situation qui est indépendante de notre volonté. Dans le développement, vous comprendrez. Donc, mais vraiment au nom de tout le monde, je vous prie vraiment de nous lever et de dire vraiment. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'en vais au nom de la plateforme Arlinou Bok faire les propos liminaires en français de cette conférence de presse. D'abord, ce que je ferai, c'est de faire un peu la chronologie du processus qui nous a amené à cette conférence de presse aujourd'hui. Le lundi 24 juin, si je ne m'abuse, nous avons déposé auprès de la préfecture de Dakar une lettre d'information pour un rassemblement pacifique qu'on prévoyait aujourd'hui, vendredi, aux allées du centenaire, au niveau du boulevard de l'angle de Saint-Faye. On l'a fait comme d'habitude, tel que le prévoient les lois et règlements de ce pays. Le premier fait qui est arrivé, c'est que quand la personne est allée déposer pour le compte de Arlinou Bok, tout de suite les autorités sur place lui avaient dit que le jour, en fait, qu'il y avait une autre organisation qui avait déposé pour le même jour et le même lieu. Et il lui avait dit, notre émissaire lui avait dit tout de suite que nous allions faire les vérifications nécessaires pour nous rendre compte qu'il y avait bel et bien d'autres qui avaient déposé avant nous. Et il est parti. Et quand ils se sont rendus compte que nous, on était déterminés à faire ces investigations-là, ils l'ont rappelé pour lui dire, finalement, il n'y a personne qui a déposé avant vous, vous pouvez déposer. Donc, le lundi, on a pu déposer cette demande-là. Et entre-temps, tout de suite, on a été approché par les forces sociales qui sont regroupées dans un cadre, à savoir les syndicats d'enseignants et d'autres syndicats, qui nous ont dit, écoutez, il y a beaucoup parmi nous qui adhèrent à la plateforme Arlinou Bok. Et certains, beaucoup parmi nous, étaient au rassemblement de Arlinou Bok aux allées du centenaire. Et nous, on avait déjà prévu une marche qui partirait de l'école normale supérieure jusqu'au GEDO, et le même jour et au même créneau. Ils nous ont dit, mais ce serait dommage qu'on tienne deux activités de mobilisation séparées, ça fragiliserait la dynamique sociale en cours sur la question du gaz et du pétrole, mais globalement sur la question de la gestion des ressources naturelles. Parce que même si nous, enseignants, on a une plateforme sur nos conditions de travail et de vie, mais aujourd'hui c'est étroitement lié à la problématique de nos ressources naturelles. Parce que si elles sont gérées, les retombées seront, et si elles sont gérées en toute transparence comme il se doit, c'est tous les Sénégalais dans tous les secteurs qui bénéficieront des retombées de la gestion de ces ressources-là. Donc, ils nous ont invités solennellement à prendre part à leur marche. Et nous, après concertation au niveau de la plateforme, on s'est dit oui, il faut aller quand même répondre à l'invitation de ces forces sociales-là pour ne pas à organiser deux mobilisations séparées le même jour et la même heure. Et animés d'une bonne foi, nous avons entrepris l'initiative d'aller voir le préfet de Dakar pour lui dire que la plateforme Arlinou Bok avait déposé une demande pour un rassemblement à la même place qu'elle s'était tenue le vendredi dernier. Mais face au fait qu'il y a les syndicats, les forces sociales qui ont déposé eux aussi et qui prévoient une activité le même jour, à la même heure, activité à laquelle ils nous ont invités, nous, on était prêts à sursoir à notre rassemblement des boulevards du centenaire et aller au niveau de la marche que les enseignants ont organisée, à laquelle ils ont invité la plateforme Arlinou Bok. Mais notre seule condition, c'était que la marche des enseignants soit autorisée. Donc, nous avons vraiment joué franc jeu et manifesté notre volonté, mais vraiment à y aller en toute transparence. Je pense que l'autorité avait même demandé à ce que l'on puisse lui fournir cette position-là, un document écrit, ce que nous avons fait et qu'on lui a donné. Donc on s'attendait quand même à ce que
les autorités dans un esprit d'apaisement, parce qu'on a vu entre une marche autorisée et un rassemblement et un rassemblement interdit, on a vu, on nous a autorisé un rassemblement, tout le monde a vu. Les jeunes étaient déterminés, les citoyens étaient déterminés, mais en même temps ils étaient disciplinés. Donc du coup, à notre plus grande surprise, hier soir, nous avons vu cette note-là en même temps que tous les Sénégalais, à travers la presse, encore une fois. Et ce qui a fait aujourd'hui quand même, qu'on a tardé à faire face à la presse, parce que pour une fois, Arlene Bokou n'était pas seule dans l'organisation d'une activité. Ça aurait été nous, la conférence de presse était terminée depuis. Mais pour une fois, on est avec d'autres acteurs et il faut tenir compte de leur position et de leurs opinions du moment où c'est eux qui nous ont invités. Pour une fois. Parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi quand même. Donc c'est pourquoi on n'a pas voulu, tout de suite à 10h, venir annoncer des choses et qu'au sortir de leur réunion à eux, qu'ils disent autre chose, qu'ils prennent. Qui n'aille pas dans le sens de nous, ce qu'on a annoncé. Du moment où c'est eux qui ont invité, c'est eux qui ont déposé l'autorisation pour cette marche-là, et nous, on vient participer à cette marche-là. Et au sortir de leur réunion qui vient de se terminer, les syndicats, ils ont décidé de sursoir à leur marche. Ils ont décidé de sursoir à leur marche. Mais au-delà de cette décision de sursoir à leur marche, ils ont dû constater que l'autorité a mis les citoyens dans une situation manifeste de se confronter entre eux. Parce que tout le monde a vu ce qu'il y a eu ces derniers jours. Tout le monde a vu l'esprit de notre lutte, l'esprit citoyen, l'esprit positif. On a organisé un rassemblement, on a commencé à l'heure, on a terminé 10 minutes avant l'heure convenue. Et en rentrant, on a nettoyé la place et elle était super propre, beaucoup plus qu'elle ne l'était avant que nous n'y arrivions. Mais aujourd'hui, on a vu comme cela a été le cas en 2011. Il y a d'autres forces favorables au régime qui ont créé quelque chose et qui veulent amener une situation de tension entre les citoyens. Ils en ont le droit. Mais la responsabilité revient à l'autorité étatique de constater cela et de prendre ses responsabilités. Que les organisations qui ont pris le temps dans les règles de l'art de déposer leur demande de manifestation attend qu'ils puissent prendre les dispositions pour l'encadrer, ce qu'ils n'ont pas fait. Et les enseignants, ils ont décidé de sursoir. Et aujourd'hui, nous nous mettons face à cette mauvaise foi des autorités. Et tout le monde voit l'esprit citoyen qui sous-tend notre lutte. Et aujourd'hui, vous avez pu voir, si on a pu tenir notre rassemblement pacifique, c'est que beaucoup de citoyens qui étaient venus, ils ont vu que l'esprit était positif et qu'on était animé d'une volonté citoyenne d'organiser une manifestation sans heurts. Pour aujourd'hui, nous constatons cette mauvaise foi-là. Et disons à l'autorité que nous ne serons pas les citoyens qui créeront en tout cas une situation qui créerait une situation très compliquée au jour d'aujourd'hui. Une situation de tension. À travers notre acte d'aujourd'hui, nous leur montrons toute notre bonne foi, tout notre engagement, notre détermination, mais en même temps montrer à la face du monde que s'il y en a qui veulent de la violence dans ce pays, s'il y en a qui veulent semer le chaos dans ce pays, ce n'est pas nous. Ce n'est pas la plateforme Arlene Bokou. Et nous mettons l'autorité face à ses responsabilités. Nous appelons les Sénégalais à constater cet état de fait. Et partout où ils seront, selon leurs moyens et pacifiquement, manifester leur désaccord et manifester pour dire non à la situation qui prévaut et manifester pour défendre ce principe que nous défendons jusque-là, c'est-à-dire la justice et la transparence dans la gestion de nos ressources naturelles. Et la dernière chose que l'on dit, c'est que lundi, la plateforme Arlene Bokou informera de la tenue de sa prochaine manifestation, le jour et l'heure. Cette fois-ci, ce ne sera avec personne d'autre, comme on l'a fait vendredi dernier. La plateforme déposera pour une manifestation, un rassemblement pacifique, comme il l'a fait vendredi dernier. Et lundi, nous informerons la